Il était pas mal le cours, non? Ouais, c'est vrai qu'il était pas mal, j'ai profité pour faire des TikTok. Je commence à buzzer là, j'ai 10 millions d'abonnés sur TikTok. Genre Oh, la mais dernière fois, j'ai trop montré bien ça! ma. Ouais, j'ai montré la Lamborghini de ma mère, il y avait tout le monde qui avait liké. Ah Et ouais? en plus, ça commence à me payer. Bon, ça fait un petit peu d'argent de poste en plus, quoi. Avec 10 millions, je gagne quoi par vidéo? Je crois que je gagne dans les millions. Ouais, les millions, bon, ça fait un petit peu d'argent de poste, je crois, c'est trop bien. Je vais me connecter sur mon site préféré pour gagner des Robux gratuits. Je t'explique en même temps, connecte-toi avec ton pseudo Roblox. Le site ne te demandera jamais ton mot de passe. Va à gauche dans l'onglet Gagner et là tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Par exemple, je clique sur Offert Taureau, je peux choisir l'appareil sur lequel je suis. Par exemple, je prends un téléphone Android et je peux jouer à des jeux pour obtenir des points. Donc je peux télécharger des applications, y rester pendant quelques secondes et ensuite je gagne des points. Clique sur le texte promo code à gauche et tape 15L pour obtenir des Robux gratuitement. Ensuite, on va récupérer nos Robux. Pour cela, va t'en retirer, choisis le montant, puis va dans le Select Game et choisis l'option qu'on te propose. Clique sur Create New, ça va t'ouvrir une nouvelle page. Clique sur Gérer mes jeux, puis Game Pass. Crée ton Game Pass si tu ne sais pas le faire, je t'explique. Choisis n'importe quelle image et n'importe quel nom, ça n'a pas d'importance. Puis clique sur Preview, ensuite sur Verify Upload. Une fois créé, va sur l'écrou et configure. Dans Sales, active et mets le prix de couleur jaune. Tu recevras le prix en blanc car Roblox déduit des taxes d'une valeur de 30%. Sauvegarde et reviens sur Gems Loot. Clique sur Change, ça va te montrer le Game Pass que tu viens de créer. Clique sur Buy Game Pass. Pour être sûr, tu peux appuyer sur View Transaction in Roblox et tu verras les Robux qui vont arriver sur ton compte. La transaction peut prendre entre 1 à 7 jours en moyenne et voilà, enjoy tes Robux gratuits. Les Oui, percées sur j'ai TikTok. pas de téléphone portable, j'ai juste un PC portable à la maison, donc je peux pas faire de TikTok. Mais c'est pas grave. Et t'as vu sur le dessin d'art plastique là qu'on a dû faire, c'était dessiné plein de cœurs sur ta feuille. Oui, ça, c'était trop beau. J'ai fait un TikTok avec Kushi. Il y a eu plein de likes dessus. Genre, j'ai mis, comme les vrais TikTokers, My wife, enfin, non, c'est My crush, Joe, it's for me. Genre, il y a eu trop de likes. Oh, trop bien ça! Les gens, ils aiment bien Ah ouais. notre couple sur TikTok alors! Bah oui. Par contre, comme HS n'a pas de téléphone, c'est quoi? Je vais t'acheter un téléphone. Oui, non, c'est pas Avec mon grave, de toute argent de façon, on se poche. voit tous les jours à l'école. Ben non, je vais t'acheter de l'iPhone 1000. Ça vient de L'iPhone sortir. 1000! C'est. Ouais, ça a été fait par Elon Musk. Il a Mais repris c'est. l'iPhone. Oh, il est trop dans le futur ce type-là, c'est incroyable! Ouais, même qu'il a remis MSM à jour, du coup c'est trop bien maintenant. Ah oui, MSN, bah je vais le télécharger sur mon PC comme ça ce soir, on pourra se parler sur MSN. Ouais, bah ce serait bien, oui, on va se faire des face vidéo, Des comment on face dit. reveal. Ouais, face Comme sur reveal. YouTube, les youtubeurs qui font des face reveal. On va faire la même chose mais sur MSN Messenger. Ouais, après moi pour l'instant je suis plus sur TikTok quoi parce que YouTube c'est un peu dépassé. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et je crois que tes parents, ils sont peut-être déjà arrivés. Moi, je veux rentrer tranquillement. Oh, attends, je vais aller voir. Et toi, tes parents, ils viennent pas te chercher? Ouais, non, ils travaillent tout le temps. Ils ont jamais le temps de venir me chercher. Mais c'est pas grave, je les vois le soir quand ils rentrent. Ou le matin, des fois, quand je me lève. Ah bah oui, il y a ma mère là-bas. Là, je te fais un petit bisou. Je vais aller voir Mouah. ma mère. Coucou chérie, hein. Ouais, j'ai eu au moins. Ah, c'est qui la petite là avec toi, la petite blonde mal coiffée? Ça, c'est my crush. C'est l'amour de ma vie. On va se marier bientôt. Attends, elle me dit quelque chose là, la petite là. Ah, mais c'est pas toi la fille de la famille pauvre, là qui habite dans Maman, ça se dit le truc. pas, famille pauvre. Ah, si, je vous connais bien. Ah, Ah ton bon? père, il. Bah ouais, ton père, il travaille pour nous. Ah oui, c'est vrai que mon papa il travaille pour vous, c'est vrai ça. Ouais, professionnel chiotte, hein. Toi, tu traînes avec elle. Hey, tu tires ça.
Bon, non, t'inquiète mais pas, traîne avec elle. Elle réfléchit pas trop quand elle part, ouais. Parce qu'elle a fait de la télé-réalité, du coup, voilà, elle est belle, mais elle est conne, quoi. Ah, bon, qu'est-ce que tu dis pour ta mère? Non, rien du tout, je disais que t'étais belle et tout avec ton nouveau chat Gucci. Bon, maman, on y va, du coup? Ouais, toi, je peux te voir avec mon fils, là. Oh, moi, je suis un non, je suis mon amoureuse. Allez, on y va, maman. Bon, bah, bonne journée, hein, demain, bisous, hein. À demain, bisous, on se parle ce soir sur MSN. Ça marche, à tout à l'heure. Maman, elle est dégueulasse la couleur de ton véhicule, mais c'est pas grave, je t'aime quand même, même si t'as pas de goût. Elle est trop belle, hein. Moi, je vais me connecter sur MSN Messenger pour parler avec Inglan, mon série d'amour, mon petit chouchou série à la crème. Ah ouais, c'est vrai, MSN Messenger, ouais, c'est pour envoyer des messages. Je vais lui envoyer un message, lui dire coucou. Oh, il est là, il est connecté. Oh, c'est pas cool ça, sa mère, elle lui a dit qu'il doit pas me voir. Mais pourquoi, je suis gentille, moi, j'ai rien fait. Pourquoi elle veut pas? Ah, il m'a donné rendez-vous en cachette quand même au parc. Oh, c'est pas grave, j'ai me préparer. Je vais envoyer un message, je vais dire d'accord, bah dans 10 minutes, j'arrive. Voilà, je vais me préparer, j'ai quand même essayé de me faire jolie et tout. Comme ça, quand on va se voir au parc, en plus mes parents, ils sont pas encore rentrés, donc c'est pas grave. Oh, à la porte, elle est pétée, faut que j'essaie de la pousser. Et voilà. Bon, en fait, ça sert à rien que je me change, de toute façon, j'ai pas d'autre habit. Bon, tant pis, je vais y aller comme ça. Allez, la porte elle est encore pétée, j'en ai marre. Bon, il va aller au parc. Ah ouais, il est déjà là. Et salut Milan. Ouais, salut Chloé. Ça va? Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Mais j'ai pas compris les messages que tu m'as envoyés tout à l'heure par rapport à ta mère. J'ai pas capté. Ouais. Ouais, attends, j'essaie de m'asseoir et puis je t'explique. Hop, voilà, c'est bon. En fait, je t'explique. Le souci, c'est que... attends, là, en fait, je suis en train de regarder la plante. Du coup, hop. Voilà, là, je te regarde dans les yeux bien comme ça. Comme ça, je pourrais bien te parler. Ouais, en fait, ma mère, elle m'a dit, genre... que fallait plus que je te vois parce que t'es pauvre et tout. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça de juger des gens par leur classe sociale et tout. Moi, je m'en fous si t'as pas d'argent ou autre. Parce que moi, je veux rester avec toi. Mais du coup, il faudrait juste qu'on se voit en cachette comme on fait là. Sinon, ma mère, elle va me gronder, elle va nous empêcher de nous voir, quoi. Mais c'est pas gentil, moi, je veux qu'on continue à se voir et tout. Enfin, qu'est-ce que je peux rien faire pour que ta mère, elle m'accepte comme je suis? Non, parce que ma mère, elle est un petit peu barnée. Comme je t'ai dit, elle fait de la télé-réalité. Du coup, elle veut obligatoirement que je sorte avec des personnes qui sont riches. Que moi aussi, je fasse la télé-réalité. Mais moi, je veux rester avec toi. C'est toi, ma télé-réalité. Oh, mais c'est trop mignon ce que tu me dis, Milan. Mais de toute façon, t'inquiète pas, on va continuer à se voir. C'est pas grave. Et tôt ou tard, elle nous y acceptera. Et puis, voilà. On fait comme ça. Ah ouais. En plus, tu sais quoi? Là, on est près de la fontaine. Apparemment, il y a un mythe. Si on jette de l'argent dedans, on peut exaucer un de nos voeux. Du coup, hop, je jette 1 000 $ dedans. Et moi, je souhaite qu'un jour, on se marie et qu'on a plein d'enfants. Voilà. Oh, trop bien. Bah, je pense qu'il va falloir que tu fasses un vœu pour moi. Parce que j'ai même pas de pièce à lancer dans la fontaine, là, pour le coup. Bah, vas-y, je fais un vœu pour toi aussi. Bah, je jette l'argent et toi, fais le vœu dans ta tête. Bah, de toute façon, je veux le même vœu que toi. Ah mais si on est deux bien à le vouloir, bah si on a plus de chances de le réaliser comme ça. Bah oui, bah là il y a 2 000 $ dans la fontaine. Après. Trop bien. Bon, du coup, il va faire tard et je veux pas que ta mère elle s'inquiète pour toi. Et je vais rentrer, mais c'est cool parce que du coup on va quand même se voir demain à l'école. On donne tous les cas. Il n'y a pas de souci. Moi, il faudrait être un petit peu discret aussi à l'école, mais c'est pas grave, on pourra se voir et tout. Moi, du coup, je te fais des bisous sur la joue. À demain, Milan. Allez, à demain. Prends très bien. Il est fou, lui. Il a cru que ça allait se passer comme ça. De mon vivant, je verrai jamais ça. Mon fils riche avec une gueule pauvre. Ah non. Hop. Tiens. Oui, bien sûr. T'étais passé où?
Je suis parti faire du skate avec mes meilleurs potes et on a profité pour faire des TikTok. Même pas. Bah, je te mens pas, hein. J'ai même les preuves des TikTok et tout, si tu veux voir. Attends, je suis en train de chercher. Ah, malheureusement, les TikTok se sont fait strike, du coup, je pourrais pas. Bon, ça Non, arrive, hein. c'est faux. Je t'ai vu avec ta copine, la gueule. Quoi? Comment ça, maman? Tu m'espionnes maintenant? On n'a plus le droit d'avoir une vie privée, c'est ça? Ta mère, je fais ce que je veux. Mais non, t'as pas le droit, c'est ma vie privée. Ta vie privée, c'est moi. Non, de toute façon, tu pourras rien faire. Moi, je vais rester avec elle. Je l'aime, cette fille. Ah ouais? Et si je t'envoie en internat en Suisse? T'as pas le droit de faire ça. Je suis le seul héritier, le seul garçon que t'as eu. Bah, je suis ta mère, donc je peux. Comment ça? Comment ça, tu peux? Tu feras pas ça quand même. T'es chanqueur, maman. T'es chanqueur depuis que t'as fait de la télé-réalité. T'es chanqueur. Tu fais même des clashs dans notre propre maison, maman. T'as pas honte? Arrête de traîner avec cette gueule. Comment et tu pourras rester ici. Comment ça, gueule, maman? Ce n'est pas une gueule. C'est ma crush. Je l'aime. De toute façon, c'est ce qu'on va voir. On va voir si tu pourras m'envoyer en internat. Hein? On va voir si t'as des nerfs d'acier. Parce que moi, je vais pas me laisser faire. Non. Et on va voir. Ah, je vais continuer quand même à lui parler sur mon PC, sur MSN Messenger, avec mon petit Milan sous-chéri d'amour, je l'aime trop. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, salut Milan, enfin re du coup, alors, ça s'est bien passé, t'as bien pu rentrer à la maison? Hein, il a l'air un petit peu ému là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me dit que ça va pas? Qu'est-ce qui se passe Milan? Quoi? Attends, il me dit que sa mère, elle veut plus qu'on se voit, sinon elle l'envoie dans un internat en Suisse. Mais Milan, comment tu vas faire? Enfin, comment on va faire? Attends, mais non Milan. Oh, Milan, il a écrit que lui, il s'en fout, qu'il veut continuer à voir mais Milan. Non, c'est... écoute Milan, je pense qu'à un moment donné, faut pas que tu mettes ta vie en l'air à cause de moi. Et c'est pas grave, je pense que faut qu'on arrête là. Faut qu'on arrête de se voir, Je veux pas gâcher ta vie. Je t'aime trop pour que tu gâches ta vie à cause de moi. Allez. Hop, je te bloque. C'est bloqué, Milan. Bonjour, madame. Moi, je voudrais, comme d'habitude, mettez les frites et le burger, s'il vous plaît. Ouais, madame, vous avez du caviar ou pas? Après, la dernière fois, j'ai mangé ça dans un hôtel 5 étoiles. Ah, il n'y a pas de caviar. Ah, bah, je vais prendre une pizza. Mais tiens, je saurais pas, Chloé. Ah, Chloé! Pourquoi tu m'as bloqué? C'est toi, Milan. Oui. Il faut pas faire ça, tu m'as brisé mon petit cœur. Tu m'as bloqué partout. Écoute, je comprends, t'es énervé. Moi, je vais arranger l'affaire avec ma maman. Moi, je veux rester avec toi, car je t'aime. Je t'aime, Chloé. Moi, j'ai envie que tu mettes des paillettes dans ma vie, Chloé. Milan, c'est pas possible entre nous, d'accord? Laisse-moi tranquille, d'accord? Mais Chloé, je suis amoureux de toi. Je peux pas lui faire ça. Il veut pas, il doit pas gâcher sa vie à cause de moi. J'ai même plus faim. Maman. Tiens. Maman. Ouais. Écoute, maman. Je pense que c'est le moment qu'on a une discussion entre mère et fils. Mm-hmm. Écoute-moi bien, maman. Tu m'as menacé de m'envoyer à l'internat en Suisse. Écoute, moi, je peux pas vivre comme ça, maman. Je suis obligé de rester avec cette fille car je l'aime trop. Du coup, si tu m'envoies en internat en Suisse, je vais faire exprès de rater mes études. Et comme ça, je deviendrai un pauvre moi aussi et je pourrai être avec elle. Du coup, je pense, maman, qu'il faut qu'on trouve un juste milieu dans tout ça. Moi, je sais pas trop ce que je pourrais te proposer, mais en tout cas, moi, je vais pas aller à l'internat de suite, je vais rester avec cette fille. Tu me dis des horreurs là. Là, mes oreilles saignent, j'ai pas donné l'heure. Ah, j'ai pas donné l'heure. Quoi, maman? Pas me donner l'heure? Ah oui, non, mais tu peux pas comprendre, on disait ça à la télé. Ah, maman, tu sais, l'orthographe, c'est bien des fois. Enfin, savoir parler, quoi.
Bon, écoute, maman, vu que t'as fait de la télé-réalité, je pense que tu pourras pas trouver un juste milieu tout ça. J'ai réfléchi un petit peu, car je suis plus intelligent que toi, ce que j'ai pensé un peu à maman. Tu sais que je t'aime beaucoup, je veux pas te faire de la peine. Du coup, écoute, soit tu me laisses regarder, enfin, aller avec cette fille, tu me laisses sortir avec elle et tout, je réussis mes études haut la main, parce que pour moi c'est trop facile les études, ou tu m'empêches d'aller voir cette fille, et je fais exprès de gâcher toutes mes études. C'est à toi de voir, maman. Alors, je dirais plutôt la première option, ça me paraît mieux. Ok, bah c'est bon, maman, on a pu trouver un entente, c'est bien, maman, je suis fier de toi. Bah, du coup, voilà, t'as pris la bonne décision, je vais faire tout pour les études. Bon, je vais monter dans ma chambre. Bien riche. T'es sûr que t'as pas quelque chose à me dire encore, maman? Non, deviens riche. Oh, ok, c'est tout, maman. T'as pas oublié, rien du tout? Ok, bah je vais devenir riche, alors je vais monter. De toute façon, je suis sûre que bientôt ils seront plus ensemble, genre dans 2 mois. Qu'une amourette d'adolescent, ils savent même pas ce que c'est le vrai amour. Ça existe même pas. C'est juste pour l'argent. Alors, monsieur Milan, voulez-vous prendre l'épouse de madame Chloé? Pas trop sûr. En fait, non, je rigole. Bien sûr que oui, de tout mon cœur. Oh, tu m'as fait peur! T'es fou, T'as intérêt, moi je te le dis. Donc, madame Chloé, voulez-vous prendre épouse, monsieur Milan? Oui, je le veux. Ouais, bah vous pouvez vous embrasser, allez-y, galouchez-vous. Ouais. J'ai revécu ma naissance.